j'ai décidé malgré tout de m'arrêter à côté de la commune, je crois, ça s'appelle... Oh, je me rappelle plus le nom de la commune. Mais bon. Alors, c'est le genre de borne, ces bornes-là, dans l'Aube, l'affichage est souvent défectueux. Malheureusement, c'est pas la première que où je constate le problème. Bon, on va bien voir. Hein. Déjà, prendre. Hop. Le câble. Type 2. Le support marche bien. Fonctionne bien, il n'y a pas de problème, ça tient. Alors on peut faire soit brancher la voiture en premier. C'est ce que je fais là. Un sac de nœuds. Voilà. Tac, elle est verrouillée. Ensuite, je prends New Motion. La carte New Motion. Toc. Et il se passe quoi là? Et ben il se passe rien du tout. Ah c'est bien. Alors. Bah oui mais là ça va pas ça. Ah, je suis mal débrouillé. J'en tire juste la bonne longueur, pas besoin d'en tirer 50 mètres. Voilà, c'est parti. C'est en bleu sur la borne. Maintenant, il faut vérifier si c'est bien dans la voiture. Vérification en cours, ça c'est jamais bon. Si c'est bon, voilà. Donc, ce sont des bornes qui sont utilisées rarement, hein. Mais elles sont disponibles, c'est ça qui est bien. Vous voyez, elles sont au milieu de nulle part. Hein. C'est beau. Elles sont au milieu de nulle part. Un dimanche, la boulangerie, elle est fermée. Hein. Ah, les vignes au fond. Alors, j'ai racheté un jeu de tapis. 7,90€. L'avant, l'arrière. Juste pour remplacer celui du côté conducteur, parce qu'avec les chaussures, ça râpe le tissu, là, la matière, c'est pas épais. Mais c'est pas cher, niveau parents, c'est bon. Si on les prend d'origine, pour. Ah voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Donc, quand vous avez votre smartphone ou iPhone, vous n'avez pas de badge, vous scannez le QR code ici qui vous renverra sur le site internet pour régler votre pour déverrouiller la porte. Vous aurez des informations à rentrer sur mon numéro de compte bancaire, des choses comme ça. Ah, c'est tout partout comme ça. Hein. Maintenant, vous avez des bornes de plus en plus équipées de lecteurs de cartes bancaires. Les cartes bancaires sans contact, ça c'est vraiment pratique, ça devrait être universel. On s'embarrasse pas avec un badge, on prend notre carte bancaire, pof, on la passe, c'est débité comme à la caisse, c'est moins de 20€, boum, ça y est, c'est fait, on n'en parle plus. Mais il paraît que c'est un peu plus cher que les bornes classiques, alors bon. Alors ici l'hiver, c'est froid. Là, vous avez un TGV qui passe ici. Une ancienne voie de chemin de fer. Voilà. C'est beau, sinon.
du vent, ça va s'entendre sur le micro. Neuville-sur-Seine, on va chercher le nom. Alors le système, hein, toujours d'enroulement autour de la trappe ici. Voilà. Ça tient bien quand on pousse doucement et qu'on met bien contre la voiture. Alors ça commence à chauffer, c'est normal. C'est pour ça qu'il y en a, en principe, on déroule les câbles complètement, de telle façon que l'énergie électrique ne produise pas de calories. Voilà, on détend un petit peu, on écarte un peu les brins comme ça, les brins, le câble, ça chauffera moins. Où c'est spectaculaire, c'est sur les bornes 43 kg, quand la Zoé recharge à 30 ou 40 kg, là, ça chauffe. Hein. Le câble, il vient de la borne, hein, par contre, la section, elle double dessus, là. Et ça chauffe. Hein. Et ça va vite à recharger. Alors attention, hein, là, je vais brancher la prise OBD2, le boîtier, pour voir, avoir les informations dans, en puissance de charge. Vous avez donc plusieurs types de boîtiers, hein, qui viennent tous de Chine. Celui-ci fonctionne très bien sous la Zoé. J'en ai essayé un autre, ça ne fonctionnait pas. Pourtant, c'est bien marqué au BD2 et tout le tralala quoi, qui va dessus. Mais ça ne fonctionnait pas. Celui-là, il fonctionne bien. Bon, bah, c'est pile ou face. Hein. Si des fois vous trouvez le même, hein, je vous mets bien en évidence. Advanced truc, là, tout est marqué dessus. Voilà. Si vous pouvez trouver le même, ou sur des forums, hein, peut-être qu'ils en parlent, hein, je sais pas. Avec ma petite trappe là, c'est pratique pour brancher ma prise. Voilà, j'ai les infos depuis mon petit boîtier OBD2. Donc la borne peut délivrer environ 20 kg, c'est bien. La voiture accepte maximum 11,7 kg. Il faut dire qu'elle est très peu, la batterie est très peu utilisée, 74%. Donc du coup ça charge pas beaucoup à dire. Les températures sont bonnes. Hein. Autonomie disponible de 236 km, 237. Neuville-sur-Seine.